Bonjour tout le monde, ici Jake pour Iva Sound Studio, bienvenue. Petit programme de cette fin d'après-midi de ce mercredi, Super Bomberman Air Online, du petit rétro, du Bomberman, mais en ligne, comme on l'a déjà expliqué l'autre fois. Du coup on va poursuivre ces petites choses tranquillement. Je me suis juste renseigné entre temps sur cette histoire de pouvoir jouer tous ensemble dans une seule et même room. C'est possible, via le match local. En fait le match local c'est pas forcément local en physique ou sur la même connexion, c'est vraiment c'est création d'une room en fait, et c'est possible. Il faut juste que je vérifie maintenant. Alors pour ce qui est de la version Steam, ça va, ce sera pas de problème. Pour ce qui est de la version, tout est cross-platform, mais il y a peut-être une subtilité concernant la version Switch sur laquelle je suis actuellement. Est-ce qu'il faut absolument être abonné au Switch Online ou pas? J'ai encore un point d'interrogation dessus, je ne suis pas sûr. Faudra que je vérifie ça et je vous dirai la prochaine fois qu'on y retournera. Allez, on va lancer directement la recherche d'adversaire. On va voir si je vais être bon ou pas aujourd'hui. On va voir. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va un peu en speed aujourd'hui, mais ça va. J'ai beaucoup de choses à faire. Il fait beau, il fait chaud, il fait même très chaud. Week-end il fera encore plus chaud, on va crever de chaud. L'été s'annonce chaud, comme la chanson l'été sera chaud, l'été sera chaud, je sais pas quoi sous les maillots. Attends, l'été sera chaud, l'été sera chaud. Je suis incapable de retrouver ces paroles, ça doit être encore une chanson bien. Un niveau bien élevé tout ça. Ah, ça y est, nous avons trouvé des adversaires, le match va débuter, j'ai même pas regardé mes quêtes. Pourquoi j'ai pas regardé les quêtes? J'aurais pu anticiper le personnage à choisir, mais j'ai pas regardé. Oh là là, quel dommage! Arriver sur le live, entendre Jake chanter et repartir. Ah, quel dommage, yes, quel dommage. On va se prendre la rose. La rose. On va prendre la rose. Comment va Diez? Diez, t'as vu? Et juste pour toi, Diez. Est-ce que tu as suivi, ou est-ce que même en décalé, le magnifique live Paint, il y a le replay dispo sur YouTube, où on a refait le logo Ivasand que tu nous avais créé, parce que je le répète encore, c'est toi qui nous avais fait le logo Ivasand à l'époque, on a toujours gardé parce qu'il est génial, mais on l'a refait sur Paint. Et en vrai, on s'attendait à quelque chose d'affreux, alors c'est affreux, mais pas tant affreux que ce qu'on pensait. Donc je te laisse aller jeter un oeil, c'est... tape YouTube Iva Sound Paint, tu le trouveras sûrement. Sinon, il doit traîner quelque part sur Discord et sur les réseaux sociaux, bien sûr. Mais voilà, on s'est amusé à ça. C'était mardi après-midi de la semaine dernière. J'ai vu la publi sur Facebook, mais j'ai pas regardé chez Moni. Oh, ah, c'est dommage. Parce qu'on a pensé à toi à ce moment-là, quand même. C'est long le chargement là, hein. Ils ont toujours pas optimisé le truc. Moi, il n'y a pas eu de mise à jour, ou alors je suis pas au courant. Mais voilà. Mais je regarderai. Bah écoute, ouais. Avec grand plaisir. Allez. Faut gagner là. Allez le jeu. On y croit. On y croit le jeu. Peut-être. Qu'est-ce que c'est long! Allez! Je ne peux absolument rien faire, c'est normal. Ah, quand même! Les noms chez Konami, ils sont longs, hein! Alors, comment on joue déjà? Pas comme ça. Comme ça. Je suis en bas à gauche du plateau de jeu et on se situe sur la map numéro 13. Je rappelle qu'il y a 64 joueurs, c'est un battle royal. Allez, battez-vous. Oula, j'ai failli faire une bêtise. Où suis-je? C'est bon, je suis là. Oula, ça craint là. Hop là. Tac.
Qu'est-ce qu'il fait lui? Il m'a fait peur. Si on l'a, il m'a fait peur. Tac. Tac. Ok. Il faut se déplacer. Et on monte. Je vais monter, tiens. Je vais aller par là. Et je vais me mettre en haut à gauche. Toujours. Au moins, c'est plus visible. Là, on attend. Je déposerai certainement plainte contre la personne qui aurait fait la copie la plus moche. C'est soit moi, soit Ando. On est les deux à avoir fait le petit défi. C'était très posé, très chill, très la détente. Mais c'était bien sympa à faire en vrai. Vraiment. C'est tout bête pourtant, mais c'était rigolo. J'ai failli bloquer le jaune. J'ai failli me bloquer aussi là. Mais je me suis... Ma propre bombe quoi. Et lui il passe à travers les bombes. Depuis quand? Tiens mange. Voilà, je me suis bloqué. Au secours, j'ai mouru. Voilà, c'est la mort. Et je suis KO. 37ème sur 64. Je suis pas... Bon, c'est la première partie du jour. Je déposerai plainte direct contre Ralga. Il mérite... Mais pourquoi? Il a rien fait, le pauvre. Il a rien fait. Aucun défi disponible? Pourquoi aucun défi? On se retire, on va pas regarder le match en entier. On va regarder les quêtes. Pauvre Ralga. Alors c'est quoi les défis du jour? Aucun défi. Mais pourquoi aucun? Ah si, jouer une fois avec jaune. Attendez, comment on voit les défis? Ah, Y. Jouer une fois avec jaune. Eh ben on va jouer une fois avec jaune alors. Contre Vrai? Ah, ça fait longtemps que j'ai plus de nouvelles de Vrai. Pas le bon chat. Pas le bon chat, non. L'ancien chat du forum Ivalis. Ah là là, la belle époque. Il faut que je joue contre jaune. Ok. Non, il faut que je joue avec jaune, pas contre jaune. Il faut que je joue avec jaune. Je retiens. Qu'est-ce qu'on s'est marré sur ce chat? Oh oui. Oui, oui, oui. Ça, c'est clair. C'est long. On va passer 10 minutes à rechercher la partie, à ce qu'elle charge. Alors faut que je joue avec jaune, hein, on a dit. Jaune. Jaune il fait quoi? Classique, c'est... non, il fait un peu de flamme, il a 3 bombes, il a pas trop de vitesse. Bon, bah on va faire avec. C'est vraiment pas opti, c'est dommage parce que les parties en elles-mêmes sont super, les menus sont plutôt chouettes, faut dire quand même, ils auraient pu faire pire. Mais les chargements sur son truc, c'est voilà quoi. Horrible. Il y a toujours du Vocaloid en fond, c'est très bizarre. Ça ressemble à du Vocaloid. C'est très japonisant en tout cas. Chargement il est pas entier, maintenant il faut que ça synchronise. Allez. Je suis jaune et en face de moi, j'ai des gens qui ont des skins et donc des compétences. Ça va être difficile ça. Oh, bah chargement plus rapide que tout à l'heure, dis donc. Alors, je suis en jaune en haut à gauche. Tac, et sur la map numéro 8. Normalement, j'aurais pas à
changer de suite de map. Oh là là, la vitesse, je suis lent. Ah oui, en effet, il est vraiment lent le personnage. Purée, j'aurais pu temporiser quelque part et je l'ai pas fait. Non, mais c'est dégueulasse. Heureusement qu'il y a de l'invincibilité pour éviter ce genre de piège. Pour qu'il se prend lui. Il m'a stun. Oula, je vais faire une bêtise. Oula, oula. J'ai pas de capacité comme toi, monsieur. Madame, j'en sais rien. Je ne sais pas qui se cache derrière. Attends. Tiens, voilà, bien fait. Bien fait. Je suis où sur la C8? On va changer de map, il y a trop de monde ici. On va se mettre par là, tiens. Voilà, tac. Est-ce que j'ai les sources du logo? Ça c'est une bonne question. C'est une très très bonne question ça. Il a pas fini de te péter tous les trucs là-haut lui? Qu'est-ce qu'il fait? Il m'a bloqué! Il m'a piégé! J'ai voulu piéger, il m'a piégé, il a bougé au dernier moment. Oh! Le chenapan! Ah purée! Oh non, on se retire du coup. Bon, on change de perso direct. Jouer Joanne, c'était nul. Enfin, c'est moi qui suis nul, mais bon, c'est l'excuse quand même. Vous avez une récompense, tatati tatata. Headbang, waouh, génial, je suis content, disons. Encore? Un jeu de jambes. Et faire le pitre. D'accord. Et c'est tout? Il y avait juste à cliquer sur ça? D'accord. C'est tout. Bon. Maintenant, il y a encore la notification. Ah, c'est parce qu'il faut... D'accord, ok. Pause de combat. Jeu de jambes, génial. Je sais pas quoi mettre, on est un pied au pif. Saut de la joie. Applaudissement, saut de la joie. Ouais. Provocation, mais ça les provocations j'aime pas. Pourquoi il y a encore la notif, je comprends pas. Ah ok, oula, ah oui d'accord, ok. Non par contre on va pas prendre jaune par défaut, on va prendre rose, j'aime bien. Mais on va jouer rouge, c'est Power Rangers rouge. Allez on va partir sur du rouge, on va voir ce que ça donne. Que j'ai les sources du logo, je sais pas du tout. Je te dire ça le temps que ça cherche. J'ai un fichier AI, donc je suppose Adobe de quelque chose, logo v2.ai que tu m'avais envoyé, qui fait 1,90 mégaoctets. C'est tout ce que j'ai. Peut-être que c'est ça, mais je ne sais pas du coup. Illustrator, d'accord. Mais j'y connais rien là-dedans. Du coup, j'y touche pas. C'est là, c'est quelque part sur l'ordi et j'y touche pas. Ah mais il y a du lore en plus, rouge. Le quatrième frère de la grande fratrie Bomberman, une tête brûlée qui fonce dans le tas sans réfléchir, il partage
les idéaux de justice blanc, mais ne les applique pas de la bonne façon et pense que tous les problèmes se règlent à coups de bombe. Un vrai danger public pour lui comme pour les autres. D'accord. Donc il y a du lore, je ne savais pas. C'est tout bon si tu as besoin de modifier tout ça. Tout ça. D'accord, mais vu que je ne sais pas utiliser tout ça, je ne vais pas forcément modifier, tu vois. Et puis bon, il est chouette le logo, quoi. Il est chouette, il est même pas vieillot, il vieillit pas en fait, comparé à la toute première version du logo Ivasamb à l'époque d'Ivalice. D'avant même que je récupère Ivasamb, il n'y a pas photo, le logo est mieux maintenant. Quoi. Et il correspond toujours à ce qu'on défend, donc il n'y a pas de raison de le changer. Le mettre aux couleurs d'un événement sur un fond, etc. Ah oui, oui, on pourrait. Chargement du jaune. Quand tu veux, quand tu veux. Alors je suis à l'angle en haut à droite et on est sur la map numéro 2, d'accord. Il est pas si... Il est lent aussi le rouge. J'aime pas cette vitesse réduite là. Pourquoi je me suis fait toucher? J'ai pas compris là. J'étais pas bien placé. On va tempo, hein. Ce sera plus simple. Et ouais, lui il lance les bombes. Voilà. Hein. Oh là, oh là, oh là, doucement. Il y a trop de monde. Ah, il faut se replacer. Je suis sur quelle map, j'ai dit? La 2? Je vais rester sur la 2. Je vais rester sur la 2. Mais je vais me mettre... Oh non, il y a trop de monde. Bon, tant pis, la 2 quand même. Oula, j'ai failli prendre une brique sur la tête. On joue pas à Tetris, hein. Je file la bise. Ça marche, les bisous. Je reviens crampé. Arrêtez avec ces bombes. C'est le principe du jeu, mais bon, c'est pas grave. Yes. Y a trop de monde. 32, top 32. Ok, c'est mieux que tout à l'heure. C'est un piège. Allez, on se met là. On attend. Fais attention. Faut se replacer. Je peux rester sur celle-là encore? Allez, très bien, je reste sur celle-là, c'est très bien. Je vais me mettre par là, tiens. Qu'est-ce qu'il fait, Rose? Ok. Ah, mais il s'est fait avoir. Ah, c'est dommage, Rose. Mais c'est pour moi. Hop là. Oh, oh, vite, bouge. Ah, ça c'est joue à rien, là. Faut que j'apprenne à lancer des bombes, voir si c'est dû à un personnage, si c'est un truc spécifique. Voilà. Ouh.
Hop, attends. Ok, déplacement. Là, faut que je bouge par contre. J'ai pas le choix que de bouger. Du coup, je suis obligé de descendre en 6. Ah, il y a. Ouais, je vais rester en. Ah, on est 5, hein. Ouh, attention, on est. Non, il est parti, on est 4. C'est bon, ça va. Par contre, ceux qui balancent des bombes comme ça, non. Non, 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 je déteste ça. Arrêtez. Wow. Patientons. Tac. 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 Voilà, on se met là, par là. Ouh, la violence. Et ça pardonne pas, ça. Je suis tout seul? Ah non. On attend. Non, je me suis fait eu. Oh zut. J'aimerais bien être dans le top 10. On va tempo du coup. Hein. Alors ça, c'est pas cool. 3, 2, 1. On attend. Voilà, on attend. Bah, je vais rester là encore une fois, map 6. Vu que la 10 et la 11 se partent en map, il reste que la 6 et la 7. Ah là, par contre, il y a trop de monde. Hein. Ah non, mais partez les gens, il y a trop de monde là. Et voilà, c'est perdu pour moi parce qu'il y avait trop de monde sur la map et j'ai plus rien faire. Ah, je suis dégoûté. Dans le top 16 en étant numéro 11 sur 64, ça va, c'est correct. Franchement, c'est correct. Combien d'XP? Ok. Ok. On va regarder la bataille, il reste pas grand monde, il reste ces gens-là. Observons-les. Il reste 8 personnes. Là, on est sur la map numéro 6. Avec des boules disco, des boules de pique, des boules. Des bombes normales, même pas des boules, des bombes. Sur cette map, il reste jaune et blanc. Attention, jaune. Jaune a l'air assez. Ah bah oui, voilà, je dirais. Il est bon. Jaune a perdu une vie. Jaune a provoqué. Ah, dommage pour blanc. Il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir tout seul, le blanc. Et tous les bonus là. Et les trois sont sur cette map là. Ah, c'est dommage parce que là, c'est la foire au bonus. Hein. Il devrait y jeter un œil quand même au cas où. Du coup, sur cette map, nous avons noir, blanc et. Et blanc chapeau. Blanc chapeau qui s'est mis au milieu. Il récupère des bonus, ils sont tous les trois assez collés. En tout cas, ils ont accès, ils ont ouvert le chemin. Là, il n'y a pas photo. On a blanc de gauche qui vient de partir, il reste plus que deux personnages, noir et blanc tout court. Qui va gagner? C'est le suspense. La map est pratiquement clean. Il va falloir user de stratégie, de réflexion, de mathématiques. Blanc qui porte les bombes. Noir qui a l'air de temporiser. Je pense que noir veut attendre la chute des blocs. Ah, il vient de perdre une vie, c'est dommage. C'est dommage, il reste une vie pour noir, je crois. Sors de l'angle, noir, sors de l'angle, sors de l'angle, c'est dangereux. Attention à la chute des blocs, il va falloir bouger là. Attention. Dangereux ça, c'est dangereux. Va-t'en noir, va-t'en. Attention les blocs. Mais il s'est suicidé, pourquoi il a fait ça? Victoire de blanc en sac à dos. Dommage là, je sais pas pourquoi il a fait ça noir. Peut-être qu'il était pris de panique. On y retourne. Mais on va changer de personnage. Qui va-t-on jouer? Haricot, peut-être Haricot. Haricot de. Comment ça s'appelle ce jeu? Fall Guys. Je pense qu'on va jouer ça. On va voir. Je connais pas du tout ce personnage. Nous verrons bien.
choix du personnage. Attention. Ouais, on va partir sur Haruko. Allez, on tente Haruko, mais vraiment sans conviction. Il peut bondir vers l'avant sur une courte distance. D'accord. Il n'a pas du tout de vitesse. Pas du tout. Alors, sauvegarde plus de chargement, vous êtes sérieux? Vous voulez pas faire ramer le jeu encore plus? Oh là là. La musique par cœur à force. Le chargement est aussi long qu'une partie en fait. Deux roses, un noir et un haricot. Cet écran là c'est le pire en fait, c'est vraiment faut que Konami fasse quelque chose là, parce que bon, allez, oh, je suis hyper lent, je suis en haut à droite, nous sommes sur la map numéro 9. Ah, un peu de vitesse, merci. Ça suffira pas, mais bon. Hop là. Hello. Allez, c'est fait. Tac. Il réapparaît pas? Ah bon? Il est déjà éliminé. Ah d'accord. C'est la foire d'empoigne en bas. Hein. J'ai qu'une bombe à placer. Wow! Elle est pas cool ça là! Se placer qu'une bombe. Non, j'ai pas eu le temps de bouger! Ah, oh, j'ai donné un coup dans la bombe, j'aurais pu me libérer, mince. Allez, je récupère une vie, c'est gratuit. Je suis sur quelle map? La 9? On va rester là, c'est très bien. Par contre, on est 6 là. C'est pas rigolo les gens, on est 6. C'est pour moi. Hop là, c'est cadeau. Ouais. Ils sont tous fait avoir. J'ai essayé de tempo. J'ai fait ce que j'ai pu. Ah, dommage pour moi. Dommage pour moi. Mais je me... J'y suis allé dans ma propre flamme, sérieux, j'étais bien parti et tout. Oh, je suis dégoûté. 0 d'XP, allez. On se retire et on repart direct en bataille. Bon, il a l'air intéressant quand même, le personnage Haruko. Il a l'air intéressant.
La partie, elle aura vraiment pas duré une minute. Hein. Ah, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Je suis presque tenté de mettre une pause vidéo le temps des chargements pour vous dire. À y réfléchir, ça. Faudra y réfléchir. En attendant, vous pouvez suivre Iva Sound Studio sur les réseaux sociaux, sur Twitch, bien sûr, cliquez sur suivre sur Twitch, comme ça vous serez notifié de quand on sera en live, assez régulièrement en ce moment. Rejoignez le Discord, c'est là où on papote le plus, on sera même plus accessible qu'en stream. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Allez. On repart sur le bomber haricot. Difficile à... Je suis désolé, mais c'est vraiment difficile à meubler quand il y a des chargements aussi longs comme ça. En attendant, allez jeter un œil à ce qu'on fait tout ce mois-ci. Ce qu'on a lancé, c'est notre crowdfunding. On a besoin de vous, on compte sur vous. C'est affiché à l'écran. Il y a le lien au Paypal qui est en bio, qui est sur tous les réseaux aussi. C'est le lien de la campagne. Donc allez nous soutenir, on a besoin de vous. Il ne faut pas oublier qu'Iva Sound Studio, c'est une association avant tout. Que pour la faire fonctionner, cet assaut, on a besoin de vous. C'est pas ce qui est les quelques euros qu'il y a sur Twitch et les quelques centimes sur YouTube, et encore même pas zéro parce qu'on n'est pas en moins 20 sur YouTube. C'est pas ça qui rapporte. Normalement, en temps normal, on fait des ateliers de sensibilisation, de reprise de confiance en soi sur plein de sujets. Il y a sur notre YouTube, on en parle d'ailleurs, il y a des vidéos explicatives sur ça. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Mais voilà, ce sont les ateliers qui normalement rapportent un peu de sous. C'est pas du tout ce qu'on fait ailleurs. Et là, depuis la crise sanitaire, on a fait très très peu d'ateliers. Ce qui n'est pas suffisant pour fonctionner l'association, malheureusement. Donc là, on compte sur vous pour subvenir à ces besoins-là. Et mieux anticiper la rentrée prochaine, parce qu'on a quand même des jolis projets à vous proposer à la rentrée prochaine. J'espère que ça vous plaira. C'est pas forcément du jeu vidéo en plus. Hein. En vrai. Bon, bien sûr, on suivra des streams jeux vidéo. Ça, c'est... Oui, bien sûr, c'est notre essence. Mais on a plein de choses autour de la vie associative, culturelle, à vous proposer. Donc vraiment, on compte sur vous pour nous aider à repartir de bon pied, quoi. Oh, la bombe qui m'a mis, lui. Waouh. On va partir, il est violent, je l'aime pas. Il me met des coups et tout. Oh oh, oh oh, oh oh. Et voilà, ça craint. Ça craint, ça craint. Et voilà. Bien fait. Ah, j'ai pu rien faire et j'ai perdu la vie. Ah, c'est pas une bonne session là de jeu. Hein. C'est vraiment pas une bonne session. Hein. On se retire, on va réenchaîner.
Du coup, on fait plus du gameplay chargement que du gameplay sur le terrain. Ah là là. Il n'y a vraiment plus de saison, ma bonne dame. Mais j'ai une récompense. Oh là là. Vous avez atteint le rang 5 de Start Pass. Vous avez deux objets. Restez calme. C'est pas encore fini. Ok, si tu veux. Mais on y retourne. En attendant, est-ce que je n'irai pas rechercher si... Par rapport à la question que je me posais tout à l'heure, on va rechercher ça en attendant. On va taper Nintendo eShop Bomberman R Online. Il est ici. On va voir ce que dit la documentation. Sur Steam, on peut. Voilà, il n'y a pas besoin de payer un quoi que ce soit. Il est, voilà. Alors. Ah. J'ai le temps de faire quoi, des choses ou pas? On va changer de personnage. On va partir sur la tomate. Non, pas la tomate. On va partir sur... Allez, sur Solid Snake. Et en attendant, alors attendez. Battle Royale, totalement gratuit. Attention, patati patata. Ça dit pas qu'il y a besoin du Switch Online. Détail. Éditeur Konami, joueur 64, plein de langues, 2 giga 5. J'ai pas d'info. C'est parti? Non, pas encore. J'ai encore un peu de temps. J'ai encore un peu de temps. Bon, c'est parti. Je refais mes recherches après. Je suis en bas à droite. En bas à droite avec Solid Snake Bomberman sur la map numéro 16. Ça veut dire qu'il faudra bouger. Voilà, il y a du monde. Il bouge bizarrement Solid Snake, hein. Excusez-moi, mais... Voilà, voilà, vite. J'ai failli faire une bêtise. Alors, se déplacer, oui, je dois absolument me déplacer, du coup je vais aller en 15. Ou en 11 même directement, tiens, voilà. Ah mais il est tout seul, parfait. Ah mais il est moins tout seul, c'est moins parfait. Va-t'en, boost. Allez, c'est bien, on est 3, il n'y a pas trop de monde, ça me va. Oh, il a une jolie, jolie skin de bombe, lui, en bas. C'est des roses. C'est des petites fleurs. Il a des petites fleurs. Allez, il aime les fleurs. Tac. Je peux toujours poser qu'une seule bombe, ça m'embête, ça. Et ils sont où les bonus sinon? Pas de bonus. Oh, c'est joli et tout, son explosion florale là. Ça fait des racines, on dirait Heroes of the Storm. J'aime ce jeu. Ah ouais, il est lancé tout comme ça.
me fait peur quand même. Allez, top 32. La moitié des joueurs, c'est fait. Je suis en 11. Je vais rester en 11. J'aime bien. Je vais aller là-bas. Allez-vous-en. Non, mais qu'est-ce qu'il fait? Il vient m'embêter. Oh purée, voilà, il s'est suicidé avec moi. Bravo. Bravo. Et voilà. Tac, on se casse. Voilà. Oula, 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 oula. Doucement les gens, doucement les gens. Mais ça suffit la violence là? Tac, 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 on se cache. Voilà, il n'y a plus de bloc. Je récupère une bombe au passage. Un peu de vitesse, merci. Mais je suis allé en plein dedans. Je suis allé en plein dedans. Oh, je suis deg. Ça fait pas beaucoup, beaucoup, beaucoup d'XP tout ça. Bon, j'en étais où? Menu principal, le temps de relancer la partie. Est-ce qu'il y a absolument besoin du Switch online? Je ne sais pas. Voilà, on a lancé. Alors, sur Steam, pas besoin d'abonnement. Ah, mais c'est pas le même jeu, ça. C'est Super Bomberman R classique. C'est pas celui-là que je cherche. Non, mais c'est pas ça. Konami. Voilà. Et ça renvoie vers la page Nintendo, mais il n'y a pas écrit qu'il faut un abonnement. Hein. Je vais regarder sur les autres plateformes, sur PS4. Je vais rester avec lui, je l'ai bien aimé ce perso. Alors sur sur PlayStation, le PS Plus est requis pour jouer en ligne. Sur PlayStation, il y a besoin de l'abonnement. J'ai pas l'info. On va regarder sur Xbox. Sur Steam, il n'y a pas besoin d'abonnement, bien entendu. Sur Stadia, j'en sais rien. Je connais pas du tout la plateforme. Sur Xbox, j'ai pas l'impression qu'il y a besoin de l'abonnement, ça m'étonnerait. Je sais pas. Je ne sais pas. Pour l'instant, la seule confirmation que j'ai, c'est que PlayStation, PS4, PS5, il y a besoin PS Plus, PlayStation Plus, machin, l'abonnement. Sur Steam, il n'y a pas besoin d'abonnement. Sur Xbox, j'ai pas l'impression qu'il y a besoin d'abonnement. Du coup, sur Nintendo, il n'y a pas de détails, j'ai pas l'impression qu'il y a besoin d'abonnement non plus. Mais, on va faire une comparaison après. On va aller sur l'eShop directement après, on va regarder. Allez, je suis en bas à droite, on est sur la map numéro je sais pas combien. 13, on est sur la 13. Ah mais vous voyez pas? J'ai mal cadré l'avancée de la cagnotte. Je me suicide sur ma propre bombe, sérieux. Nullité, vraiment. Voilà.
Bon, derrière la cagnotte, en fait, il y a mes stats, mes pouvoirs, etc. Dommage, Rogue. Oh là. Oh là là, la bêtise. Faut changer de map. Ouais, je vais aller sur la 14. Il y a du monde en 15. Il y a des étoiles en 15, je vais aller sur la 15. Il y a beaucoup de monde en 15. Vas-y, on le tente. Allez, on est fou, on le tente. Ah, bah ils s'en vont, les gens. Ils ont eu peur. Ils m'ont dit, il y a trop de monde, vaut mieux partir. Oh! Ça, c'était... Oh, je suis deg! Ah, oh. Purée. Ça, voilà. Quand je vous dis que les parties durent pas longtemps, c'est affreux. Hein. Nullité. On fait un tour au vestiaire. Voyons voir les notifications. Quel perso qui a des... C'est lui? Non. C'est lui. Voilà. Ok. Alors, B, retour. On va jeter un œil de suite à le shop. Sur la console. On va jeter un œil un peu. Ça me paraît... bizarre ces histoires d'abonnement, pas d'abonnement. Comme ça, au moins, il y aura la réponse, une bonne fois pour toutes. Et on verra. Alors, chercher. Direct. Tac. Ah, c'est long, hein, dis donc, ça rame. Bon. Bah, tiens, il est là, Bomberman. On va faire la comparaison. Super Bomberman Air Online. Voyons voir. Alors, il y a marqué HTML, il est gratuit, hein, bien sûr. Il est free to play. La question, c'est est-ce qu'il y a besoin du l'abonnement. Du l'abonnement, oui, bien sûr. Alors, tout affiché. Requis pour utiliser cet article, connexion Internet, ce qui est normal. Japonais, 2,3 nombre de joueurs, patati patata. Il y a besoin de l'espace supplémentaire. Un abonnement payant au service Nintendo Switch Online est nécessaire pour utiliser le cloud. Ah, pour utiliser le cloud des données de sauvegarde. Pour les données de sauvegarde. Enfin, ouais, en gros, c'est. Yeah, ouais, ok. Ça veut dire que si on n'a pas le cloud des données de sauvegarde, donc pas l'abonnement payant, on peut accéder au jeu, faire des parties, mais il n'y a rien qui sauvegarde. Ou alors, ça sauvegarde sur la console. Et du coup, ouais. Ok. Normalement, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a besoin. Si on veut vraiment envoyer la sauvegarde dans le cloud. Il faut l'abonnement au Switch Online qui coûte quasi rien en vrai par rapport aux autres abonnements. Néanmoins, on peut avoir la sauvegarde sur la console et dans ce cas, il n'y a pas besoin de l'abonnement. Si on prend un autre jeu, par exemple, Super Bomberman Air normal, voyons. Qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'il y a, je crois qu'il y a du truc en ligne là aussi, mais c'est pas pareil. Enfin, ils sont pas embêtés quand même sur les moteurs, mais bon. Tac, 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 on descend. Et là, c'est. Ah non, le cloud de données de sauvegarde. Hein. Alors attendez, on va chercher directement un truc Nintendo, ce sera plus simple. On va taper Mario Kart. Qu'est-ce qu'il dit sur Mario Kart? Voilà, Mario Kart. Plus. Alors pas Omnicircle. Pourquoi il est gratuit? Il est gratuit ce jeu? D'où il est gratuit? Bon, c'est ça, je vais chercher un bas. Mais du coup, il n'est pas gratuit, il coûte 80 balles normalement. Il y a une promo. C'est plus une promo là, c'est grave. Bon, bref. Voilà, ce jeu dispose de. Peut-être dont l'utilisation nécessite une connexion internet et un abonnement payant. Là, c'est clair. Il y a bien écrit abonnement payant. Là, c'est clair. Voilà. Donc, normalement, on peut accéder à Super Bomberman Air normalement. Online sans avoir payé l'abonnement, sauf pour les trucs de okay, voilà. Bon, c'est clair, au moins c'est clair, il y a la réponse. Et ça, c'est attendez, je réfléchis à ça. Pourquoi il est gratuit?
D'où il est gratuit? C'est quoi ce bordel? Découvrez patati mais ça, patati patata, 1 giga. Manette compatible. Note, un ensemble Mario ou Luigi pour Mario Kart est requis. Ah, donc voilà, il n'est pas gratuit. Dans ce cas, Nintendo, vous n'avez pas marqué gratuit. C'est nul. Oui, on quitte le shop. Et on revient sur Bomberman. Ah, j'ai pu. D'accord, ça c'est bien. J'ai pu naviguer sans quitter le jeu, ça c'est chouette. Bon, mais normalement, il y a la réponse. Faudra tester. Mais normalement, c'est bon. Un peu d'eau pour rincer le gosier. Ça fait toujours du bien. Allez. Oui, on garde ce personnage-là. Ah, je peux me déplacer sans être vu par les adversaires. Ah. Mais est-ce qu'il se cache dans un carton? Allez. Enfin, allez, je dis allez, mais en fait, on va encore avoir 2 minutes de chargement. Hop, 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 hop. Doucement là avec les fleurs. Faut pas trop s'embrouiller. Oh non, vite, vite, enlève ça. J'ai pas su, j'ai paniqué, j'ai pas compris. C'est pas grave. Ouais, je vais rester là, c'est très bien. Ah mince, non, c'est moins bien. Mais avec les skins de bombes, du coup, je les vois moins, je trouve. Tiens, voilà. Oh là, c'est pas passé loin, hein. J'ai eu la chance là. Je vais me mettre là, je vais rester là. Je vais peut-être pas rester là du coup. Voilà, allez, on est où? Map 16, j'ai pas fait attention, on va monter. On va aller là. En 11. On va même aller en 7. Voilà, allez, en 7, on se met en 7. Oh ouais, on est 5 par contre. Hein. On est 5, hein.
y en a qui s'amusent à se suicider. Ah, je peux pas envoyer les bombes. Hein. Un petit peu de flammes. Hop hop hop, c'est des bombes méchantes. En même temps, toutes les bombes sont méchantes. Oh là, c'est... il y en a, il a sauté là. Tac. 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 Hop là. Voilà. Oui, il avait des techs. Je crois que j'ai récupéré une vie, je suis pas sûr. Ok. Non, on va pas forcément bouger. De toute manière, la 7, ça fera partie des dernières maps. Donc, allez-vous-en. Ok, on est 3. Ça sera calme. Mais ça peut être vieux. Non! Qu'est-ce que j'ai fait? Wow, j'ai failli faire une énorme bêtise là. Faut que je me concentre mieux. Débloque. Allez, Rose, va-t'en. Rose, va-t'en. Mais allez-vous-en. C'est ma place. Le verre, comment tu t'es fait avoir, mon pauvre? Attends, je vais t'aider. J'arrive. Voilà, j'ai sauvé copain. Et mince. Purée, vite. Non. Bon, j'espère que le verre avec la monture va gagner du coup, parce que je l'ai sauvé. Regarde, il est où? Il est en plein milieu. Allez, le verre avec la monture, je crois en toi. Je crois que c'est lui que j'ai sauvé, pas celui en bas à droite. En bas à gauche, on est d'accord. Hein. Ils sont hyper nombreux là par contre. Ils sont 7 sur la map. 7. C'est-à-dire que sur la map 6, ils doivent bien s'embêter. On fait un œil vite fait là. Ah non, ils sont 4, ok. Allez vers monture, on croit en toi. On croit en... Non, tu t'es fait stun, non. C'est bon, ça va, tu t'es fait stun. Attention la bombe. Allez vers monture, t'as pas une énorme puissance de feu, j'ai l'impression. Hein. Non, vers monture, la pite. Bah, il a perdu que la monture, ça va. Allez, lui, c'est le vert de droite. On croit en toi. Bas à gauche maintenant. On garde les yeux sur lui. Il tempo encore. C'est le vert qui n'a pas le chapeau sur la tête. Ok. Ils vont devoir. Ils vont tous se retrouver sur cette map là. Ils sont encore 7. Hein. Allez, c'est possible. Il faut que le vert gagne. Pour le vert. Il est où? Où est-ce qu'il est? Je l'ai perdu. Ok, il est en plein milieu. Le vert est en plein milieu. Non!
Mon, mais non, mais je t'avais sauvé exprès, t'es mort. Je l'ai sauvé exprès, il est mort, quoi. Je me suis sacrifié pour lui. Oh non. Je vois que ça veut porter plainte. Ouais, c'est Diaz, il est passé, salut Ralga. Mais je sais pas pourquoi il a dit ça comme ça. Bon, bah, qui on supporte maintenant? Oh, je suis déçu. Mais personne, voilà, on supporte personne. On va juste regarder les 4 derniers. Les 3 derniers. Ah, c'est dommage pour le vert. Allez, plus que 2. Plus que 2. La map va vite être clean. Il reste un bloc. Il s'amuse à pousser les bombes. Oh, la stratégie de lancer à travers l'écran. C'est fourbe. Attention, chute de bloc. C'est parti. Là maintenant ça s'accélère. Allez, le petit stun, le petit stun. Est-ce qu'il va être se bloquer ou pas? Il faut remonter blanc, il faut remonter blanc ou avion, je sais pas quelle couleur. On va taper avion. Avion et vieux personnage. Je sais pas que c'est quoi ça. C'est vieux stun? Non. Ah non, c'est du Castlevania, je crois. Attention. Aïe aïe aïe. Ça se rétrécit encore. Il reste une vie. C'est hyper, hyper serré. C'est tendu. Et il a encore perdu une vie. Eh ben dis donc. Victoire 2. Bah, victoire de avion. Ok. C'est pas ultra lisible, Super Bomberman R, ou c'est moi? Tu parles du stream en lui-même ou du jeu? Parce que le, en vrai, au tout début du stream, c'était très très la galère du jeu. Ouais, voilà. Non, non, si, ça m'a. Si, c'est. Mais. Et encore, en vrai, ça va. En vrai, ça va. Ils auraient pu faire pire, quoi. Ils auraient pu vraiment faire pire. Je trouve que Pac-Man. Ouais, je trouve que Pac-Man est moins lisible en fait. Dans combien, dans ce qui reste de joueurs, dans les effets, etc. Pac-Man est moins lisible. Même en tant que joueur directement. Bomberman, je le trouve un plus agréable à regarder en temps, et à utiliser en tant que joueur. Après en stream, j'avoue, je sais pas trop. Mais c'est clairement pas le type de stream qui dure 30 heures. Quoi. Ça non. Je trouve fouillis, trop d'animations inutiles, la fausse vue 3D est pas ultra claire. Alors la fausse vue 3D par contre, ça fait plusieurs années que c'est comme ça sur les jeux Bomberman. On va changer de perso, on va partir sur... sur lui. Sur Simon Belmont. De toute façon, le meilleur Bomberman, c'était Bam Boom Sex. Ouais, non, non, clairement. Ah, ouais, oui, clairement. C'est dommage, d'ailleurs, que ça n'existe plus. Mais il était super bien. Et puis, c'était directement sur navigateur, c'était gratuit. On pouvait vraiment personnaliser les rooms. Enfin, là aussi, du coup, pardon, on peut personnaliser les rooms là aussi, mais c'est pas pareil. T'avais, et sur navigateur, t'avais pas vraiment de temps de chargement. Alors là, tu te tapes un temps de chargement de 30 ans, t'as plus de temps de chargement, je trouve, que de temps de jeu, au final. Donc oui, oui, clairement, RIP Extinction.fr, paix à ton âme. Mais j'aurais bien voulu en refaire directement dessus, ça c'est clair.
y compris les mardis soirs. Je suis en bas à droite. Hein. En bas à droite et sur la map numéro 14. Après, il y a pas mal d'effets du jeu qui sont juste de la cosmétique. Parce que il est free-to-play. Selon les plateformes, alors il est cross-plateforme, mais selon les plateformes, ça demande l'abonnement, sur d'autres, non. Mais il est quand même free-to-play, il y a un pass qu'on peut payer et des skins qu'on peut acheter aussi. Donc forcément, les effets des skins sont... pour certains, piquent les yeux quand même. Hein. Ah bah écoutez, je récupère la vie, hein. Vous me l'avez donné, je peux pas dire non. Bon. Il faut bouger de map? Non, je suis sur la 14, je vais pas... Oh, quoi que si, on va aller sur la 10. Allez. Oh non, il y a trop de monde. Bon, je descends alors. Oh, je me retrouvais tout seul, trop bien. Ah oui, tout seul. Non, va-t'en, je voulais être tout seul. Non. Ah bah il s'est fait écraser par une brique, le pauvre. On lui ouvre le passage ou pas? Bon, oui, on va lui ouvrir le passage. On va être gentil. Non! Non, méchant! Oh là, le fouet, il m'a aidé. Dis donc, mais il s'est pété les personnages comme ça, là. Alors que les Bomberman classiques, j'aurais pris cher. J'aurais vraiment pris cher. Et pas la chanteuse. Lol, humour, drôle, rigolade, oh là là, qu'est-ce que je me désespère. Je me désespère. On est sur la 14, il va falloir bouger, je pense. Ou on bouge après. Non, on va rester là, en fait. On va rester là. Va-t'en, bleu. Va-t'en. Non, mais allez-vous-en, là. Il y a trop de monde. Je me casse. Il y a trop de monde aussi. Bon, ben, je reviens là, alors. Une bombe par contre, j'ai un peu de puissance de feu mais j'ai vraiment plus de bombe. Bon alors derrière la cagnotte, vous voyez pas mais j'ai une puissance de feu de 5 cases, je n'ai qu'une bombe et j'ai une vitesse de 4. J'aurais bien voulu avoir une bombe en plus quand même. On se calme messieurs dames. Voilà, comme ça, il n'y a plus de trucs sur le terrain. Là, il faut temporiser. Pourquoi j'ai fait cette bombe-là, elle est nulle. Allez. 2, 3, 2, 1. Où suis-je? Ok. Faut bouger, faut bouger. Tac, tac, je monte. Je monte, j'ai dit. Je monte. Et je vais aller sur la 7. Ouais, c'est très bien la 7. Bah c'est très bien. Oh bah du coup si, c'est très bien. Excusez-moi, je passe. Il y a trop de monde. On est 6. Oh purée, mais on est 6 sur la map. Voilà. Oui, ça fait beaucoup là. Enfin, tout à l'heure, on était 7 sur la map. Enfin, ils étaient 7 parce que j'étais mort. Mais... Là, il faut attendre. Voilà. Je fais des gens en moins. Tac. 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 Je ne prends pas de bonus. Je ne prends pas de bonus. On a une puissance de feu de 6 cases maintenant. Non, mais il se prend pour qui lui? 1, top fin des bombes. Il faut bouger sur la... combien il y a de personnes ici? 5, et combien il y a de personnes là? Oh non, non, je vais là. Je vais là et je vais même me mettre ici, tiens.
Quoique c'est peut-être pas une bonne idée en fait. Ah c'est bon, il est parti. Okay. Oh mais comment il a lancé la bombe lui? Allez, petite vitesse. D'où? Non! Où suis-je? Ok. On attend. Voilà, j'ai perdu parce que je me prends mes propres... Oh là là, mais quel nul. Bon, top 16, 11e, c'est pas mal. Il reste 9 personnes, 3 sur cette map et tout le monde ici. Du coup, on va regarder ici. C'est là où il y a le plus de monde. Ça peut être drôle. Ah, ils ont une puissance de feu. Oh là là, la violence. Il y en a qui tempo, il y en a qui balance. C'est deux caractères, deux ambiances. Ils sont plus que 5 sur cette map. Ah, il s'est fait avoir, c'est dommage. Il revient, il avait encore une vie. Et là, ils vont se retrouver à 8 sur une seule map. 8 sur une seule map. Ça va péter là. 8 sur une seule map. Hein. Phase finale. Il ne peut en rester qu'un. C'est Koh-Lanta. Oh là là là. Je peux même pas savoir qui soutenir là. Donc... Ah, élimination d'un joueur. Ils sont plus que 6. Deux joueurs là. Plus que 6, ouais. En bas à gauche, c'est. Ça se mesure. Hein. C'est. Allez. Il y a quelqu'un qui a perdu une vie. On va afficher les noms, ce sera plus simple. Comme ça. Aïe aïe aïe, il y a eu quelqu'un qui s'est fait assommer. Ça pose des bombes en haut à droite. Ah, quelqu'un qui a perdu une vie aussi. Hey, ils avaient accumulé des vies là quand même. Ils sont encore 6, ils sont toujours 6. Attention. Dans 10 secondes ça part sur les blocs. Ils sont plus que 5. Allez, c'est parti pour les blocs. Ça se jauge encore, ça hésite. Ça se positionne par rapport. Attention le bloc, attention le blanc, attention. Oula, c'est fait. C'était juste plus que 4. Plus que 4. Ouh, encore une vie perdue. Ah, ils vont être 4 sur la map la plus petite. Mais c'est horrible. Et ça va jouer avec le random des bombes qui sont sur les coups. Aïe, aïe, aïe. Ça tente des choses, ça tente des choses. Plus que 3. Plus que 3. Ça tente des choses. C'est affreux. C'est hyper stressant. Ouh. Allez, plus que... Ah non, il avait encore une vie. Il revient. Il reste une minute. Grand maximum, ils sont plus que deux. Mais combien de vies ils ont, ça, je sais pas, par contre. Aïe, oula, ça a failli arracher quelqu'un encore. Hein. Ah, une vie perdue. Une vie perdue, 40 secondes. 40 secondes. Et... Ah, il a pété, mais il gagne quand même. Hein. Il a pété, mais il gagne quand même. C'était le suicide, mais il a gagné. Bravo. C'est Cupcake. Ils vont l'appeler Cupcake. C'est le petit Cupcake. Le petit Cupcake. Ben maintenant, j'ai envie de manger. Ben, dis donc. Ah là là. On repart pour une recherche. Ça fait pas énormément de matchs... Aujourd'hui, le temps de chargement est vraiment long, ça, c'est dommage. C'est dommage. On attend. On va
changé. J'aime bien ce personnage, il était sympa. On va le garder. Je vais rester sur lui. Ah d'accord, c'est ça les pouvoirs, ok. Enfin, c'est les bonus plus que des pouvoirs même. Je suis en haut à gauche et je suis sur la map 9, numéro 9. Mais je me suis pris dedans, oh là là, bon je l'ai embarqué avec moi mais quand même. Voilà, bien fait. Je suis dégoûté. Ah je suis dégoûté. Ah, j'ai tenté un truc, c'est dommage. Je vais rester là. Non, va-t'en, haricot. Ils sont tous là, eh oh. Arrêtez. Allez, ça c'est... Il me stresse. Voilà, c'est fini pour moi. C'est fini pour moi. Le mec, il est arrivé sur la map où il était pas, il est arrivé, il a fait je suis le roi. Et voilà. Non, je voulais retirer. Mince. Je suis obligé de la regarder en entier là. Ah, voilà. Allez. C'était rapide, hein. Alors blanc, ouais mais ah oui blanc il peut augmenter comme ça. Noir, rose, j'aime vraiment beaucoup rose. Hein. On va jouer blanc. Parce qu'il peut quand même avoir augmenté tout. Il commence petit mais il peut vraiment finir bien blanc. Mais vraiment. Ça peut être sympa.
Pourquoi ils mettent une sauvegarde au début de la partie? Ils peuvent pas faire ça. Enfin, je comprends pas ça. Ça sert à rien cette sauvegarde là. Allez. Je suis en haut à gauche sur la map 12. Une puissance de feu actuelle de 2 pour 2 bombes à poser pour le moment et une vitesse nulle. 0 la vitesse. Ah, allez, 1 de vitesse. 2 de vitesse, bien. Ça va mieux maintenant. Hop là, je prends. Tac. Là, on attend. Tempo. Une petite bombe par-ci par-là. Ça je prends, ça je prends. Hop 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 hop. Du. Là, on se met là. Map 12, j'ai dit. Je monte. Oh non, mais si on monte tous, ça va pas le faire par contre. Je descends dans ce cas. Voilà. Donc là on est 4. Ah, faut que je fasse gaffe à la bombe pique d'en bas. Elle est vicieuse celle-là. Mais non, mais je suis allé en plein dedans. Oh flûte. Ok. Aidant. Désolé bleu clair, je suis vraiment désolé. Et bleu clair, il a compris que j'essayais de l'avoir. 5 secondes. 2 secondes, 1 seconde, top. Faut se déplacer, obligation de se déplacer. Il y a du monde en bas là. Oh, il y a trop de monde. Oui. Hop là, je me mets là, c'est parfait. Non. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Hop là, on tempo. On attend encore. Ça clean, ok. Je prends. Petit bonus. Il me fait peur ce monsieur là. Je sais pas, enfin, ce personnage. Il me fait peur ce personnage. Abyss est fait avoir, tant mieux. Tac, 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 on attend. Voilà. Oh, je prends la vie, tac. Ah, mais la puissance de feu, quoi. Arrêtez de vous battre. Allez, ça se fait. Tac. Faut se déplacer, faut monter. Obligation de se monter, de monter. Ouais, ouais. Il y a du monde là quand même.
Il y a du monde. Ouais, ouais, je vais rester. Oh, mais non, mais remontez pas tous, décidez-vous. Purée. Purée. Ah, c'est pas drôle, ça. Voilà. J'ai perdu une vie, mais c'est pas grave. C'était pour la bonne cause. Oh, purée. 12. Bon, c'est pas grave. C'était une partie intéressante quand même, c'est juste que sur la fin, là, tout se retrouver comme ça, c'était perturbant. Bon, du coup, on va soutenir qui? Jaune, monture ou blanc? Bah, monture, allez. Il reste 8 personnes. 8 personnes pour 4 maps? Ah oui, c'est... Ça allait vite, là. Stun. Ouh, violent, violent, violent. Ça, ouh, ça joue comme ça. Tu joues avec le feu, là, le blanc d'en haut. De nouveau, faut se déplacer. Non, ils peuvent rester sur cette map, ils peuvent rester là. Ils sont 7, 7 qui vont se retrouver sur deux maps. Où est-ce qu'ils vont? Ils sont 4, rose... Jaune et deux blancs, dont un avec un chapeau. Le blanc en bas à gauche est violent. Il pète le feu, comme on dirait. Ah, jaune s'est fait stun. Blanc chapeau essaye d'avoir jaune pendant... En gros, c'est deux batailles là. Oula, jaune! Ouh, dommage, jaune. Attention, jaune, attention, attention. Ah, Rose. Rose est parti. Est-ce que Rose va revenir? Oui. Ils sont plus que 6. Quelqu'un sur l'autre map s'est fait éliminer. C'est pas passé loin pour Rose. Allez, 5 secondes avant une mini trêve de placement. 3, 2, 1. Ok, placement. Ils vont tous se retrouver sur la map numéro 7. Ils vont être 6 joueurs. Ça cherche, ça se cherche, ça se cherche. Chacun se place, chacun se place. Ok, ça se place. Personne s'est pris les blocs. Ah, il y a du stun, il y a du stun sur la gauche. Centre gauche, il y a du stun. Ah, blanc s'est fait avoir. Blanc relance la bombe. Bravo, blanc. Blanc, il s'est fait. Il a bien joué. Il y a des vies qui ont été perdues quand même. Hein. En haut, à droite, ça se course. Ça redescend. Une vie a été perdue. Il y a beaucoup trop de choses. Ah, il y a eu. Ça y est. Oula, 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 il y a deux morts. Deux morts, trois morts. Ils sont plus que trois. Plus que trois. Ça s'est passé très vite là. En 3 secondes, il y a eu 3 morts. Ils sont tous en bas à gauche. Oh, c'est quoi cette fournée de bombes qui vient d'être relancée? Avec une puissance de feu, mais c'est horrible. Ça va être serré là. Ça joue serré, ça joue. Ça tente des choses. Mais en même temps, ça joue safe. Mais ça tente. Voilà, attention le petit personnage. Ok, ça lance des bombes, ça fait glisser les bombes. Attention aux blocs, dans 5 secondes, 3, 2, 1, top chute des blocs. T'as eu chaud toi. Ah, c'est dommage, tu t'es pris tout. Je pense qu'il reste 2 vies à rose et une à pourpre et une à blanc. Oula, bon ben blanc, et voilà. Blanc est pas assez perdu, c'est perdu. Ok, Rose a encore récupéré une vie. Rose s'est fait avoir. Non, c'est bon, ça remonte. Ouh, c'est pas passé loin. C'est pas passé loin. Ça essaie de temporiser, ça tente encore des choses. Faut remonter. Faut remonter, Rose, attention. Et victoire de Rose, parce que Pourpre s'est pris sa propre bombe. Bravo donc à Victor. Allez, on repart. On repart. Encore une fois, pensez à suivre l'actualité de Diva Sound Studio. C'est une petite asso. Checkez tous les réseaux, Facebook, Twitter, Instagram. Rejoignez le Discord, c'est là où vraiment vous aurez... Bah, vous nous trouverez nous déjà. Vous pourrez papoter avec nous sur plein de choses, à l'oral comme à l'écrit.
j'aurai plein d'infos sur tout aussi. Jetez un œil au site. Allez, jetez un œil au site. Il y a des choses intéressantes à trouver sur le site. Et bien sûr, soutenez la campagne. Le crowdfunding, c'est hyper important. Là, on compte sur vous pour ça, quoi. Je vais rester sur blanc. On peut avoir un maximum de 2 vies. Allez, je suis en haut à gauche et sur la map numéro 15. Puissance de feu de 2, une bombe, pas de vitesse. Allez, puissance de feu de 3. C'est risqué là ce que je fais. Ah oui, ça je prends. Désolé, vert. Non! Oh, j'ai eu chaud là! Il est rigolo, vert. Il lance mes bombes. Non, vite la vitesse! Je sais pas à quoi il joue, vert, mais c'est très drôle. On va rester là. Ah non, je joue avec vert. Il est rigolo. Tant pis si je perds. Allez, je me mets par là. Non, ici. Allez, on ouvre le passage. Tac. J'ai failli faire une bêtise. Oh là là, j'avais pas vu en bas. Oh, vert a perdu une vie. Oh, moi aussi. Ah, mais ça fait tout un enchaînement là, j'ai pas compris ce qui s'est passé. On va attendre. Purée, j'aurais dû aller en haut, je sais pas pourquoi j'ai insisté en bas. C'est comme ça. Est-ce qu'on regarde où... On va voir jusqu'où vers vert. Vert, il est malin. Par curiosité, on va voir jusqu'où il va aller. Piringa, il s'appelle. Ils sont plus que 30. Piringa. Il aime bien être au centre, d'accord. Pour l'instant, il cligne un peu. Je suppose qu'il doit être à la recherche de bonus.
Pourquoi il met la bombe spécifiquement là? Ah et oui, il a pas de puissance de feu. Hein. Il a pas de puissance de feu. Hey, il faut qu'il fasse quelque chose là, vert. Bouge, bouge. Joli. Bouge, vert, bouge. Oh, bravo! Belle technique. Ouais, en fait, il joue vraiment sur la stratégie, sur le placement. Je pense qu'il doit être un bon calculateur. Et là il monte et voilà, et là c'est une petite rêve de placement, il va rester au centre. Il a une stratégie, il a vraiment une stratégie ce vert. Il bouge pas, il reste là. Ouh. Pendant que le blanc a traversé, attention vert, là ça craint. Ah dommage vert, c'est dommage. C'est dommage, plus que 30, plus que 12, ils sont pas 30, plus que 12. Et là, ça a fondu le nombre de joueurs. Plus que 12. Dommage. Il avait une bonne strat. Mais là, il s'est fait envahir. C'est dommage. C'est un peu. Tout le monde s'était ligué contre lui, quoi. Allez, il reste rose et deux blancs. Rose clean les blocs, il cherche les bonus. Pourquoi il a mis la bombe là-bas? Ouais. Elle est plus que 8. Plus que 8 joueurs, 7 joueurs, plus que 7. Les blancs, ils essayent de se battre entre eux et le rose, il se met hyper tranquille. Tout le monde monte? Allez, on monte avec eux. 6 joueurs, plus que 6. Est-ce qu'ils vont faire 3-3? Bien l'impression qu'il fasse 3-3. Allez, c'est du 3-3. 3 ici, 3 ici. On va rester là. Ah bah ici, il y en a un qui est éliminé le temps que je suis sur l'écran. Dis donc, ils sont plus que deux. Un petit duel ici. Avec les bombes de pique qui piquent. Elles sont violentes ces bombes-là. Elles sont très violentes. Hein. Attention, attention blanc, attention blanc. Oula! Blanc en panique. Ouh. L'enchaînement, il y a le plateau, il a été clean en quelques secondes. Dommage, dommage pour blanc. Il reste encore une vie. Ah, monture s'est fait stun. Mais okay. Monture, il essaye d'avoir à l'usure. Aïe, 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 aïe. Aïe aïe aïe. Allez, placement. Ils vont être 5. Ils se mettent tous là au milieu là? Au milieu? Ok, ça a même pas eu le temps de pop, il y a déjà eu des bombes de poser. Bon, quelqu'un est déjà mort. Quelqu'un est déjà mort. Plus que 3. Plus que 3, Rose a perdu. Plus que 3 toujours. Quelqu'un avait encore une vie. Monture, attention! C'est joué à un micro de. Bon, plus que deux. Plus que deux. Je crois que c'est les deux qui avaient juste avant en fait. Ils ont éliminé les trois qui ont pop. Ils ont dit non, on va rester entre nous. Non, monture! La monture a des pop. Monture, c'était blanc chapeau. Blanc chapeau et blanc tout court. Ils ont la même strat. Il y en a surtout un qui pose les bombes, l'autre qui les évite. Je pense que ça veut. Tempo. Non, non, ça pose quand même. Ça pose quand même. Aïe, 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 ça fait même glisser les bombes. Oula, blanc chapeau a perdu une vie. Je vais supposer qu'il ne reste plus qu'une vie chacun. On n'a pas cette information-là. Attention, chute des blocs dans 3 secondes. Top, chute des blocs. Allez, va-t'en, va-t'en, blanc chapeau. Qu'est-ce qu'il fait? Ah voilà, il a été éliminé. Il y a eu un coup de lag, mais il a été éliminé. Ça, c'est bon. On
Allez, je vais partir, je pense, pour la dernière partie de mon côté. En espérant qu'elle ne dure pas 2 secondes. Un peu frustrant quand même. Salut Jake, salut Drego. On est sur la fin de stream là. Il reste peut-être 5, 10, 15 minutes grand max. On est sur la fin. C'est difficile de faire des longs streams sur ces petits Battle Royale rétro. Très difficile. C'est pour ça qu'en général, j'enchaîne Tetris, Pac-Man et Bomberman dans le désordre. Là aujourd'hui, c'était que du Bomberman. Parce que j'avais pas envie de changer de switch de jeu. Et après, pour les VOD, c'est. Quand il y a plusieurs jeux, faut découper. Ça fait plusieurs VOD. Là, du coup, ça en fera qu'une. Ça facilitera le travail de mes camarades. Et moi, je suis sur un début de. Après le boulot. Il y a des jours où je peux pas venir avant. Non, mais attendez. Les gens, vous venez quand vous pouvez, quand vous voulez. Et donc, là, je prends le rose. Il n'y a aucune obligation. Hein. S'il y a du monde, tant mieux. S'il n'y a pas de monde, c'est pas grave. Hein. Moi, j'ai quand même un. J'y vois même. Enfin, s'il y a du monde ou pas, j'y vois quand même un intérêt parce que ce qui se passe en stream, en temps normal, je peux le réutiliser aussi en atelier pour montrer à mes groupes de jeunes. Pour faire de la sensibilisation derrière. Donc, s'il y a du monde ou pas, c'est pas grave pour moi. S'il y a du monde, tant mieux. Encore, ça permet de faire de la sensibilisation et de faire découvrir l'assaut directement sur stream. Mais sinon. Donc vous venez quand vous voulez, quand vous pouvez, il n'y a aucun problème, vraiment. Je suis pas trop un streamer du soir, je préfère streamer en journée, je l'avoue. Mais en fonction des jeux, en fonction de s'il y a du multi ou pas, de ce qu'on peut proposer, ça tombe à tel ou tel créneau horaire, ça dépend. Demain après-midi, je serai sur Return of the Obra Dinn. Demain soir sur du Code de la Route. Vendredi après-midi, Return of the Obra Dinn, en espérant le terminer. Vendredi soir, Mysterium. Et samedi, toute la journée à partir de midi, Crash Bandicoot, en espérant le terminer. Normalement, ça devrait mieux se passer que sur Splasher. Normalement. Quand même. Et donc pour ce jeu, qu'améliore-t-il lequel que j'ai cité? Ou alors Bomberman, tu parles. Bomberman, l'idée, alors si c'est la question, c'est surtout de montrer que les jeux rétro, c'est clairement je suis en haut à gauche, c'est que les jeux rétro, parce que Bomberman c'est un vieux jeu à l'origine, même s'il a des graphismes un peu plus modernes, ça y est, je commence à perdre. Bah voilà, je me suicide parce que je parle, c'est génial. C'est pour montrer aux jeunes générations que les jeux d'avant et de maintenant ça n'a rien à voir, que l'ambiance n'était pas la même, que la difficulté n'était pas la même, que les conditions de développement ne sont pas forcément les mêmes non plus. Et là, c'est une énorme part de concentration, de calcul, de stratégie que j'ai pas à moi. Vraiment, je suis nul là sur Bomberman. Mais je prends plaisir quand même. Et surtout que. Ça sert à rien de rager hein, en fait. Ça sert à rien. Ça n'arrangera absolument pas les choses. Tac tac tac. Hop hop hop, vite. Voilà. Et ça c'est plus facile à faire sur ce type de jeu, je trouve. J'ai perdu. Ah mais j'avais encore une vie. Ah trop bien. C'est plus facile à faire que sur des jeux comme Fortnite. Va faire de la sensibilisation dessus, c'est compliqué. Hein. J'ai pas forcément envie de prendre le risque de quelques mois que la structure ou quelqu'un de l'équipe se fasse trash talk parce qu'on essaie de faire de la sensibilisation sur un jeu. Sur Fortnite, je pense qu'on a des risques. Sur Bomberman, y a pas de risque. Allez, je me retire, on en fait une dernière. J'avais Bomberman sur Game Boy Advance, mais ceux d'avant, je les ai jamais touchés. Advance, ouais. Alors attends, c'était pour les premiers Bomberman, ça date de quand? Alors, c'est une bonne question, ça.
je dirais début des années 90 au plus tard. Je regardais le temps de le chargement, il est hyper long sur ce jeu, je regardais. Et j'ai la réponse à la question que tu posais tout à l'heure. Je crois qu'il y a... Alors, pour le Switch Online sur Bomberman, celui-là... Alors, sur la PlayStation, il faut avoir l'abonnement PS Plus. Sur Steam, il n'y a pas besoin d'abonnement. Sur Xbox, je crois pas qu'il y ait besoin d'abonnement. Et sur Switch, normalement, si tu gardes tes sauvegardes en local, il n'y a pas besoin d'abonnement pour ce jeu. Si tu mets tes sauvegardes en cloud, là, il y a besoin d'abonnement. À vérifier. SNES, tu penses à SNES, toi ? SNES, début des années 90 ? Regarde. Ouf. Ah oui, oui. 83, ça remonte encore plus. C'était sur Amiga. Atari Lynx, Commodore, etc. Ça remonte à encore plus avant. Ouais. 83. Première apparition de Bomberman en 83 sur MSX et ZX Spectrum. Puis ensuite sur la NES en 87. Ah, j'imaginais pas ça si vieux par contre. Et il est sorti après sur toutes les plateformes quasiment. Ouais, ouais, toutes. Ah oui, j'imaginais pas ça si vieux. Bomberman, à l'époque, moi je l'avais connu à l'époque sur l'ordinateur directement. Alors, je dirais... Non, j'avais pas... C'était... Je fais le calcul par rapport à où est-ce que je me situe à ce moment-là. Je crois que c'était en... 95, 96, 97. Et je l'ai connu sur Windows 95, Bomberman. J'avais... entre 5 et 7 ans quand j'ai connu Bomberman. Tu es de 87? Ah ouais. On se sent vieux. Ne m'en parle pas. Ne m'en parle pas. Enfin, en vrai, j'assume maintenant plus l'âge que l'année dernière. C'était plus compliqué l'année dernière. Allez, je suis en bas à droite. Et on est sur la map 16. Il va falloir bouger. Mais il faut que j'arrête de prendre mes propres flammes, moi. Quand même. J'ai fait une bêtise. Mais personne n'a rien vu. Tant mieux. Sérieux? Vous êtes sérieux là? Je reste pas sur cette partie là. En bas, à gauche tu veux dire? Mais je à chaque fois je dis où est-ce que je me situe au départ. Donc on repart sur du rose et ça va être là, vraiment la dernière partie par contre. Eh, pas loin du passage du niveau en plus. Ah ouais. On va essayer de faire une bonne partie quand même. Niveau 6 à 625 d'XP sur 640. Il y a même le rang 5 à 9 sur 10, je l'ai pas vu. J'avais pas vu du tout. Mais comme je prends pas le Season Pass, en fait, ça m'intéresse pas tellement. Allez. Bon. On essaie de bien jouer. J'ai dit essayer.
toujours aussi long, hein, ces trucs-là. Faut vraiment qu'ils fassent quelque chose, Konami. Ça, c'est pas normal que ce soit aussi long. Vraiment pas. On n'est pas sur... sur un PUBG ou quoi que ce soit. Allez. Allez. Allez, suite de demander. Je suis en haut à gauche, sur la map 12. Désolé jeune. C'est bon, il réapparaît pas jeune. Okay. Ok. Oh, je lui ai offert des bonus gratuits à lui. Hein. C'est là. Ah non, par contre, il y a trop de monde, ça va pas le faire. Bon, je bouge. Oh, il y a encore trop de monde. On rebouge. Mais il y a trop de monde partout, c'est horrible. Bon, ça va, ici on est 4. Et on ouvre un peu le chemin. On est dans les 30, 32 même. La vie, oh, je sais pas qui a eu la vie, si c'est moi ou pas. Mince. Désolé, Rose. Les roses deux fois. Allez, je prends la vie. Il faut que je bouge ou pas? Non, c'est bon. Encore une fois, je vais rester là. Ouh, ouh, je me fais avoir là. Ok, ça va, ça clean. Top 16. Bien. Oh là non, je me fais avoir, vite. Arrêtez. Mais arrêtez. Il y a plein de bombes de partout, j'y vois plus rien. Moi. Hop là, allez-y, c'est pour moi. Vas-y, tac, 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 tac. Bah tiens, on va l'enlever, ça me gêne. Là, voilà. Il faut que je bouge, oui. Allez, on bouge, c'est parti. On est combien? 8. 8. J'aime pas parce qu'il y a trop de monde. Allez, je me mets là.
Oh purée, il a une bombe de pique en bas, lui. Non! Oh, j'y suis là en plein dedans, quoi. Où suis-je? Ici. J'ai peur. Je le dis, j'ai pas honte de le dire, j'ai peur. On va y aller mollo, hein. Tac. Ok. On attend. Non! 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 Oh, cinquième! Oh, cinquième! Yes! Oh, mais j'ai pris ma propre bombe, je suis deg! Oh là là! Bon, on va regarder la fin de la bataille quand même. C'est dommage. Ils sont plus que 3. Ils sont plus que 3. Faut bouger. Oui, voilà. Blanc, il a failli. Alors, rose, blanc et vert. Ah ben Rose il s'appelle Guy. Ah ben on va soutenir Rose juste pour ça, tiens. Allez Rose, on prend en toi. Rose faut bouger là. Ok, blanc il clean le passage. Petit duel entre vert et rose. Rose qui a piégé vert. Bravo, plus de 2. Blanc qui continue de faire le ménage. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, blanc est allé à la rencontre de Rose. Rose, oula, il a failli se faire stun, mais c'est bon. Il joue bizarrement, Rose, quand même. Ok, récupération de la vie, non? Récupération de la vie pour le blanc. J'ai l'impression que Rose est un bot, il se déplace vraiment très bizarrement. Ou il a bugué dans ses mouvements, peut-être. Bizarre. Attention, ça pose, ça pose. Il y a un gros clean de plateau, là. Allez, ping-pong de bombe. Attention, chute des blocs dans 2 secondes. Top. Oh, mais... Ah, c'est dommage. Rose a perdu une vie, du coup. Et voilà. Et là, ses mouvements sont débloqués. D'accord, ça devait être un bug visuel, je pense. Du coup, il resterait potentiellement qu'une vie à Rose et 2 à Blanc, peut-être. J'ai pas fait gaffe si Blanc avait déjà perdu une vie ou pas. Attention, Rose, attention, 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 bouge, bouge, bouge. C'est quoi ce bug? Ah, c'est quoi? C'est un petit lag, Rose a perdu. Victoire de Blanc. Victoire de Blanc. Victoire de Samuel. Et normalement, j'ai pris un niveau, etc. Oui. Vous avez atteint le rang 6. Vous obtenez un objet. Une musique de Silent Hill. J'aime pas ce jeu. J'aime pas cette licence. Vraiment pas. On va cleaner notification. On est sur la fin du stream du coup. Victoire du Shirobon, comme on dit en japonais. Ah d'accord, je savais pas. Je ne connais pas. Mais pourquoi il y a encore une notification? Ah si, si, d'accord. Voilà. Fin de ce stream du coup, petit stream aujourd'hui sur Bomberman 64 joueurs, Super Bomberman R Online pour ma part sur la Switch. Du coup, bah, rejoignez les réseaux sociaux, etc. Vous connaissez la chanson, Discord. Follow, abonnez-vous Twitch, soutenez la campagne, c'est hyper important. Ça, c'est le plus important, c'est le plus grand objectif si c'est pas encore fait. Au moins, partagez-la, diffusez l'information autour de vous. Dites que c'est une association, parce que c'est le cas, c'est une asso. Merci aux gens du chat, merci Darego, merci à Alguin qui est passé un peu avant, merci à Diaz, etc. Je vous retrouve pour ma part en stream demain sur Return of the Obra Dinn, pareillement vendredi après-midi, donc jeudi, vendredi après-midi, 14h, Return of the Obra Dinn. L'objectif c'est vraiment de commencer le jeu demain et de le finir vendredi. Demain soir, nouveauté, code de la route. Alors on a déjà le code de la route dans l'équipe, c'est juste pour savoir si on serait encore à jour. Donc on va s'entraîner dessus. Avec un passage de l'examen sur le jeu du code de la route qui est très très bien fait. On verra comment ça se passe. Et vendredi soir, Mysterium avec la team Ivasun Studio. Et samedi, toute la journée à partir de midi, Crash Bandicoot, commencer et terminer le jeu bien entendu. Le programme de la semaine prochaine n'est pas encore défini. Enfin, il n'est pas encore dans les grandes lignes aussi, je sais à peu près ce qu'on fera. Mais il n'est pas encore publié du moins et ça demande quelques retouches.
Une nouvelle vidéo explicative de ce qu'on peut faire dans l'assaut est dispo sur YouTube. Elle est publiée quelque part sur Discord aussi, dans le canal stream, c'est toutes les annonces. Jetez un œil dessus. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bonne fin d'après-midi tout le monde. Prenez soin de vous cordialement. Bisous!